Donc un jeu Konami. Exodrive. Je crois que les chargements, ils sont quand même assez longs sur Bomberman. De base. Ça sauvegarde alors qu'on a lancé le jeu, ok. Attention, ce jeu dispose d'une sauvegarde automatique. L'icône en bas à droite indique qu'une sauvegarde est en cours. Veuillez donc ne pas quitter le jeu. Allez, le jeu est plus faible sur Bomberman. Je vais monter un petit peu. Ouais, quelque chose comme ça. Tac, voilà. J'ai mis 2 décibels en plus. Appuyez sur un bouton. Chorégraphie du logo. Alors, Bomberman, Super Bomberman Air Online, qui n'est autre la version Bomberman 64 qu'il y avait sur la Stadia. Il doit y avoir toujours sur la Stadia d'ailleurs. Mais version Switch, Steam, donc PC. Il doit y avoir une version PS4, PS5 et probablement Xbox. Voilà, je sais qu'il y a, sur Steam, mais personnellement, je préfère être sur la Switch pour ce genre de jeu. Puis au moins j'enchaîne. Il est payant. Non, il est complètement, enfin complètement, comme Tetris 99, comme Pac-Man 99, c'est gratuit, inclus dans le Nintendo Switch Online. C'est même au-delà de ça, c'est parce que Tetris 99, pour acheter, on peut acheter le jeu complet, vraiment le jeu complet, tous les autres modes de jeu. Pareil pour Pac-Man 99. C'est pas le cas pour Super Bomberman Air Online. Ce jeu-là, il est totalement free-to-play, mais il y a une boutique en jeu. Et il y a un pass saisonnier, un season pass, des cosmétiques, de la cosmétique principalement. Il est complètement free to play, mais il y a un season pass. Ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais la version cartouche de ce jeu. Et puis de toute façon, l'équivalent cartouche, c'est tout simplement Super Bomberman Air tout court, qui existe déjà sur version cartouche. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis les deux ensemble, ils ont préféré faire... séparés, bah sûrement pour l'argent, ils se sont dit free to play, les gens achètent le season pass, ça nous on gagnera plus d'argent. C'est ma théorie, je pense que c'est le cas. Voilà. Ce qui est intéressant en plus, alors sur Tetris 99 et Pac-Man 99, je ne sais pas comment inviter des gens à jouer, enfin pour qu'on joue tous ensemble, que ce soit mes camarades de jeu habituels ou vous sur le stream, mais sur ça, normalement on peut. Alors. Pour l'instant, là, c'est de la découverte hein, aujourd'hui sur ce jeu-là. Mais on va que réfléchir et que je me renseigne sur comment jouer avec vous via les gens du Discord, via la team Iva Sound Studio, pour faire ça. Voilà. Et même peut-être un mardi, pourquoi pas. Sait-on jamais. Voilà. Donc, c'est du Bomberman en ligne. 64 joueurs et c'est assez particulier, je vous montre après. Alors attendez, match local, ah ça défile, ah, attends, parce que bon, c'est coupé. Grand Prix, bataille 64. C'est du local, c'est pour jouer à plusieurs sur... Oui voilà, ils ont quand même prévu un mode pour jouer entre amis, mais en mode local. Le pass. Alors, moi je le prends pas le pass, ça ne m'intéresse pas. Néanmoins, on va se renseigner, quand même. Start pass. Et passe bataille, c'est quoi ça? Start pass. Je ne sais pas. Et passe bataille. Là, il y a deux trucs. Ça, je pense qu'on peut le déverrouiller totalement gratuitement au fur et à mesure des rangs, des niveaux, qui est quand même une carotte pour que les gens reviennent sur le jeu. Et ça, en gold, ça par contre, c'est acheter le season pass. Ah ben, c'est écrit à. C'est écrit derrière la caméra, vous ne voyez pas, mais c'est écrit. Pour dire, voilà, acheter plein de choses. Appuyez sur Y. Voyons. 800 en pièces d'or. Attendez, on peut acheter un pass de bataille en pièces d'or. Je regarde, je ne vais pas le prendre, mais je m'en regarde. Bomber coin insuffisant. Donc il faut avoir des bomber coins. Mais est-ce que les bomber coins... Bon, je vais supposer qu'on achète des bomber coins sur le shop, donc avec des euros. Il doit y avoir un moyen de gagner des bomber coins gratuitement. Et start pass, c'est quoi? Ben ça, c'est gratuit, je pense. Ça, c'est au fur et à mesure de l'XP, des rangs, ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça.
Ensuite, nous avons quoi ? Elle me met pas un chargement, le jeu, juste parce que je reviens au menu principal. Vestiaire. Alors. Paramètres, personnage. Ok. Alors, si, un truc à savoir. Il y a des personnages gratuits, il y a des personnages payants, mais avec une rotation. Tiens-nous, ça nous rappelle quelque chose. Les types bombeurs sont tous gratuits. Les autres sont payants, mais inclus dans un pack de personnages. On peut acheter un pack de personnages à part pour tous les avoir. Et il y a quand même une rotation de héros gratuits, de personnages gratuits. Donc là, je sais pas si c'est cette semaine, ce mois-ci, cette quinzaine, voilà. Mais ces deux-là sont gratuits. Et pour fêter l'arrivée du jeu, le jeu est sorti vraiment la semaine dernière, hein, ils ont dit que le bomber haricot fera partie du roster. Donc on peut s'attendre à des crossovers par rapport à autre chose. Vous reconnaissez très bien ce personnage de, comment ça s'appelle, de Fall Guys. Voilà. Alors celui-là, c'est Bomber Ruby. Je sais pas du tout de quelle licence ou quoi que ce soit ça sort. Miami non plus. C'est un peu coupé point. Je ne sais pas non plus. Tomato. Bubblehead. Oh, qu'il est moche. Ensuite, Old Snake. Ah tiens, je l'ai pas celui-là. D'accord. Il doit être une récompense à quelque chose. Bon, Solid Snake, Metal Gear Solid. Richter. Attendez, Richter, c'est... c'est Castlevania, je crois. Naked Snake. Bon, bah, Solid Snake. Ah, il y a deux Snakes. Castlevania. Voilà, tiens, il y a Kipon, confirme. Bon. Bomber Lance. Bomber Bill. Je sais pas. Bomber Big Viper. Ah, lui, j'ai déjà croisé dans des Bomberman, mais pareil, je ne sais pas. Contra. Ah, Contra, oui, oui, bien vu, Contra, c'est vrai. Et Alucard. Alors, attendez, Alucard, c'est pas Castlevania. C'est Fire Emblem. Ah si, c'est quand même Castlevania. Ah ok, d'accord, je me serais trompé là-dessus. Ok, très bien. Ensuite, on a Simon Belmont. Bon, bah voilà. Pyramid Head, ça c'est Silent Hill. Et comment c'est écrit, Raiden. Raiden, confirme aussi. C'est que du Capcom. Bah ouais. Pourtant c'est Konami derrière. C'est wow. Ensuite, on rejoue en arrière. Paramètres joueurs. À moi, mes paramètres, bah, c'est les titres, c'est... c'est l'icône et la musique qu'on peut choisir. Voilà, bon, moi je vais laisser ça comme ça. Mais Bataille 64, ils auraient clairement pu appeler ça Bomberman 64 quand même. Ah là là. Sauvegarde, j'ai rien touché en fait le jeu. T'as pas besoin de sauvegarder à chaque fois. Bon, boutique, on a jeté un oeil à la boutique ou pas? Non, hein. On a regardé le vestiaire. Vestiaire, c'est pas bestiaire. Bomber coin. Ah ben ça ouvre le e-shop. Alors on va rien acheter, c'est pour regarder. 100 bomber coin, c'est 1 euro. 500, bon 510, c'est 5. Et 1000, donc c'est 10 euros. Et sachant que le pass est à 800, en gros, c'est 10 euros le pass, quoi. Sauf si on veut anticiper. Okay. C'est pas donné quand même pour un pass. Pour ce type de jeu-là, pour de la cosmétique, c'est pas donné. Hein. Personnage. Ah, Old Snake, il est là. On peut l'acheter directement en 500 pièces. Mais je pense qu'on peut gagner des pièces d'une certaine manière. Là, c'est des costumes. On peut les voir en plus grand. Ah ouais. Accessoires. Oh, une banane. Ah non, c'est un croissant de lune, pardon. C'est quoi ces accessoires? Ils servent à quoi? Ah, c'est juste pour se mettre sur le l'antenne. Hey, mais par contre, on achète tous les différents coloris, d'accord. Ouais, je trouve ça pas ça fifou, mais écoutez, pourquoi pas. Des skins de bombes. Bombe tomate et la bombe patte de chat. Pose de combat. Oulala. Là là. Pose de victoire. Oh mon dieu. Réplique. Je vais faire vite. Et Niark. Niark, 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 Niark. Provocation. Ouais, enfin, c'est comme tous les autres types de jeux en mode. Un peu mode de Smash. Enfin, je pense à. Comment il s'appelle? Ah, Brolala, il a les mêmes choses. Icône de joueur. Mais non, mais ça, je m'en fiche.
et des musiques. Et quand même, c'est quand même complet. Hein. On revient en arrière. Je suis persuadé qu'on peut gagner des bombers coins en dépensant des euros. Entraînement et autres. On va regarder autres d'abord. J'ai peur que ça me lance en entraînement directement. Émile ! Prenez un chewing-gum, Émile. Paramètres de base, sonore, langue, région, contrôle, manuel en ligne et livret de compte. Vous permet de consulter l'historique des bombers coins et leur validité. Vous avez 0 bombers coins. Ah, ben dis donc, c'est étonnant. Les crédits, ben les crédits, la licence, c'est un moyen rapport. Ok. Et du coup, entraînement, juste par curiosité, qu'est-ce donc? Ça nous lance directement en entraînement. Ah, c'est le tuto. On va pas faire le tuto par contre. Hein. On va pas faire le tuto. Vous le ferez de votre côté. C'est tuto, c'est prendre en main le Bomberman. Du coup, match rapide directement, c'est parti. Je suis persuadé qu'on peut gagner des bombers coins d'une certaine manière. Je vois pas pourquoi il me forcerait à acheter des euros avec des bombers coins avec des euros. Annuler la recherche, non. Là, c'est recherche interrompue. Ah non, recherche en cours. Ah non, il y a écrit recherche en cours en bas à gauche, mais vous le voyez pas. Le mot recherche interrompue en bas est quand même. Ils auraient pu mettre une autre phrase parce que là t'as l'impression qu'il n'y a pas de recherche. Alors que si, la recherche est bien en cours, je vous le confirme. Ah, il y a des défis, attendez, j'ai pas vu. Saison 1, 83 jours, la saison 1. Je jouais une fois avec un personnage de type attaque pour un défi, pour gagner 3 étoiles. D'accord. Je ne sais pas ce que sont les. Nous avons trouvé des joueurs, le match va débuter. Ok. Allez. Chargement. Je joue qui? Rose. Ah, ils ont tout peur. Ouais, Rose. Très bien, Rose. Rose. Le rose. Nous sommes donc 64. Hein. Mais vous allez voir que c'est pas une map. Ce sont 8 maps. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Non, 16 maps. Pardon, 16 maps. Vous allez vite comprendre. Bon, je lis pas ce qu'il y a à l'écran, hein, c'est pour comprendre. Là, par contre, on est vraiment. Alors, par rapport à Tetris 99, Pac-Man 99, Mario 35, là, on est vraiment plus dans un Battle Royale. On est vraiment dans un combat vraiment face à face avec des joueurs, avec élimination de joueurs et surtout la zone qui rétrécit. Vous allez comprendre. Si le chargement accepte de charger. Ce qui est un peu le principe d'un chargement. Me voici. Ça, c'est ceux qui sont avec moi sur la première map. On est tous en même temps, on joue tous en même temps, mais pour l'instant, on est en map séparée. Ensuite, on va se rassembler petit à petit. Et là, c'est le futur drapeau de la Catalogne. Mon dieu, je vais me faire taper. C'est magnifique. C'est jaune, c'est orange. Ah voilà. Donc je suis où? Je suis en bas à gauche. Et je suis sur la map numéro 15. Regardez bien l'écran. C'est quoi les... Oh yes, le lapin il est pris au... Yes, pas de lapin. Adieu le lapin. Oh non, le lapin revient. Au revoir le lapin, moi aussi j'ai dit au revoir. Oh non. C'est pas grave, on a quand même une vie en plus. Hein. C'est pas l'élimination directe. Le lapin il a pas compris qu'il pouvait rejouer, c'est pas grave. Le lapin a débuté le jeu. On lui pardonne. Je monte le son, j'entends rien à la télé. Yes. J'ai laissé en vie Fall Guys. J'aime pas les haricots. Voilà, là on est toujours sur la même map. Les survivants doivent se placer en faisant attention de ne pas que. Enfin vous voyez, les briques vont tomber à l'écran dans 5 secondes. Faire super gaffe. Voilà. J'ai cassé un bonus. C'est pas grave.
Quel nul. Et là, je suis éliminé, je crois. Ah non, je reviens, j'avais une vie. J'avais regagné une vie. C'est bon. Il reste 29 joueurs sur 64. Hein. Au revoir. Oh, il pardonne pas lui quand il joue. On va tempo. On va tempo. Oh, il s'est éliminé lui-même. Ok, une seconde. Chute de bloc. J'attends. Ah oui, je peux passer dans les maps d'avant. Où suis-je? Et pour l'instant, je n'ai pas bougé les maps en fait. Parce que c'est les gens extérieurs qui doivent se rapprocher petit à petit. Donc je n'ai pas à bouger. Mais clairement, vous voyez, ça attaque. Ah, ben j'ai changé de map, d'accord. Bon, ben, j'ai voulu changer de map, je me fais plaisir. Donc on peut changer de map comme on veut. Ben, comme on veut, dans la limite de ce que je propose. Wow, il est violent lui! Comme un ouragan! Comme un ouragan! Nanana. Wow! Oh la flûte! Je suis 32. Oh bah pile poil, moitié. Classement par temps de survie, 18 sur 64. Mais j'ai fait top 32. Ah, il y a un classement et tout. Ok. Les stats qui arrivent. Donc là, c'est l'XP gagné. Donc on voit le reste de la bataille. J'ai pris un niveau. J'ai pris un rang. J'ai pas eu... Ouais, type attaque. Ok, faut que je... D'accord. Mais je me retire pas. On va continuer à regarder ce qui se passe en jeu. Je vous laisse apprécier. Donc vous voyez, les maps, au fur et à mesure, ça serait très sick. Hein. Il y a accès à moins de maps jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une map. Après, il en restera deux, je crois. Il faut encore 12. Et après, il ne restera qu'une. Ouh, ils se sont piégés tous les deux. Ah, ils se sont piégés tous les deux. La bombe qui bouge, c'était un gros piège. C'était pas sympa. Le petit point là. Faut bouger. Blanc, faut bouger. Il a failli se faire manger les pics, le blanc. Hop là, j'ai bougé la caméra pour qu'on regarde la map récente. Il en reste deux maps. Ils sont combien? 7. Donc 4 sur cette map, 3 sur l'autre map. Regardez l'autre map. Non, 2. Oui, il en reste. Ben non, 6, d'accord, il y en a un qui vient d'être éliminé de l'autre côté, je pense. Regardez l'autre, ils sont plus nombreux. Intéressant à regarder en vrai. Ouh, la claque. C'est celui piégé qui a réussi à rester encore en vie correctement. Ça, c'est fort. Plus que 4, c'est-à-dire qu'il en reste qu'un seul de l'autre côté. Est-ce qu'ils vont tous se rassembler? Alors, ça sera la dernière map. Celle-là, il faut que le joueur sur la map 6 change de map. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah bon, il avait pas compris comment passer, je pense. Dernière map. Ils sont plus que 4. 3 maintenant.
C'est hyper intéressant en vrai, ce format là. Oh la bombe qui bouge, elle est affreuse cette bombe là. Affreuse. Oui, vous pouviez le bloquer, c'est dommage. Bon, vous avez bloqué le bleu foncé, le bleu tout court. Mais le noir, il était bien bloqué. Et ça s'est joué à rien quoi. À rien. Oh, joli, joli bleu. Et moins joli bleu, du coup, élimination du bleu. Ils sont plus que deux, noir et blanc. Noir qui court comme Naruto. Je sais pas pourquoi, c'est pas comme ça. Blanc qui pose la bombe. Attention, ça va, la vitesse va augmenter. Pour qu'il se déplace plus vite. Et normalement, le temps d'explosion augmente aussi. Et c'est parti. Ah non, c'est aussi parce que la map se réduit tout court comme dans Bomberman normal. Les extrémités de la map descendent petit à petit. Elles descendent petit à petit. Il y a moins de place sur la map. Quoi. Ils ont encore 1 minute 37. 6. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tempo? Ah non, ils attendaient que la bombe qui s'amuse sur les pics pète. D'accord, ok. Ah! Oh, il s'est fait avoir par un pic et c'est Blanc qui gagne. Le Blanc qui était tout seul sur la map de gauche, je le rappelle. C'est intéressant hein, en vrai. C'est vraiment super intéressant comme mode de jeu. On y retourne bien sûr, et du coup, c'est quoi? Jouer avec un personnage de type, j'ai pas eu le temps de voir mes quêtes. On réaffiche les... Ils vont nous réafficher les quêtes ou pas? J'ai pas fait attention au choix de personnage si les quêtes sont affichées. Ce serait bien. Bon, type attaque, on m'a demandé de jouer du type attaque, on va jouer... On va jouer lui. Je sais pas comment ça... On va voir. De toute manière, c'est là pour tester. C'est une découverte aujourd'hui. Il y en aura d'autres plus tard, du Bomberman 64, bien sûr. Sûrement la semaine prochaine. La musique est cool. Et vous entendez encore moins la musique, je pense. Quoique... J'ajoute un tout petit décibel en plus. Ça fait très vocaloïde derrière la musique. Et pas trop Bomberman. On me demande de faire le thème musical de Bomberman, j'en suis incapable en vrai, je le connais pas. Et pourtant j'y ai passé du temps quand j'étais plus jeune dessus. Mais ça m'a pas marqué. Tetris oui, hein. Pac-Man aussi, mais Bomberman. Les fameuses bandes jaunes orangées, magnificence. C'est beau, c'est de l'art, c'est contemporain. Mais là, elles sont pas apparues en criant comme la peinture japonaise. Vous n'avez pas la ref, venez sur Discord, vous l'aurez vite. Allez, c'est parti, je suis en bas à gauche et je suis sur la map numéro 14. Ok. Donc je vois mal mon personnage avec ses couleurs. Et. Je peux mettre une bombe? Ça m'embête ça. Ok. J'ai quand même une petite puissance de feu. Voilà, ça craint. Ok. On va attendre. Hein. On attend. Non! Vite! Lancez la bombe! Prendre la bombe! Oh là là, j'ai été bloqué. Je vais atterrir par là. Ouais. Bouge! Mais je suis nul. Bon, j'ai pas compris comment se joue ce personnage, mon classement est nul. J'ai fait une quête. Normalement.
Ouais. Jouer trois fois avec bleu, d'accord. Donc il va falloir jouer trois fois avec le Bomberman bleu. Aucun problème. Bon, on va regarder la suite de la bataille. On est vraiment là tranquillement. Hein. On va se mettre, je sais pas, on est sur la map 10. On va rester sur nos camarades de la map 14. Donc, on va voir. Donc là, vous avez vu, les maps externes, donc la 1, 4, 13, 16, ne sont plus accessibles. Ensuite, ça sera la 5, 8, 9, 12 qui ne seront plus accessibles. Lequel des deux est le plus stratège? La personne la plus stratège. J'irai blanc. Blanc calcule. Pendant que si on pose des bombes. En espérant toucher. Phase de déplacement. Donc là vous voyez ça clignote en rouge. Les gens se déplacent. Donc pour cette map là pour l'instant ça ne change rien. Et pour l'instant ils n'ont pas besoin de se déplacer. Mais il y a quand même une chute de blocs. Il faut bien réinitialiser les blocs dans la map. Et les blocs, il ne faut pas être dessous, sinon ça fait perdre une vie. Donc là, c'était pas le cas, ils ont bien joué. Là maintenant. Ils sont restés à deux, donc il n'y a personne qui les a rejoints. Ils sont restés à deux. Ils peuvent tempo, je pense. Ils peuvent tempo jusqu'à la fin. Ah, eh ben Sian, voilà, une vie pour Sian, je pense. Afficher les noms, on va afficher les noms. Ce sera peut-être plus simple. Oh, quoique, ça prend de la place. J'afficherai les noms à la limite si on est plusieurs à jouer ensemble avec les camarades de la team Ivassa et vous sur Discord par la suite si vous avez envie. On proposera ça en outil. Je pense qu'on pourra le proposer. On pourra bien voir comment on fait, mais je pense que c'est possible. Au pire si c'est pas possible. Au pire si ce n'est pas possible via la Switch, on fera via Steam. Je pense qu'il y a le jeu sur Steam. Je crois l'avoir vu passer. Quand je regarde. Ils ont monté du map. Donc là vous voyez la map va se fermer. Pouf. Et voilà, donc on va monter du map. Il reste la map 6, 7, 10, 11. Et Sian, il est plus là. Sian est plus là. Il reste. Deux blancs, avec un blanc qui a un cosmétique sur sa tête, ça doit être un chapeau d'anniversaire. Ou de lutin, je ne vois pas trop ce que c'est. Ah, du coup, lui, il est tout seul maintenant. Il va se faire plaisir, il va ramasser tous les bonus, en espérant ne pas faire d'erreur sur ses propres bombes. Parce qu'on peut se faire toucher par nos propres bombes. Top 8, allez, il est top 8. Là, il a juste à ramasser tous les bonus, il se fait plaisir. Mais vraiment, là il fait vraiment plaisir. Hein, c'est... Ouais. Ah, il est bon. Hein. Enfin, il est bon, il est tout seul, il a juste à casser des blocs. Et sur ses timers, quand il se déplace par rapport aux bombes. Phase de déplacement, il est obligé de changer de map. Là, il n'a pas d'autre choix que d'aller sur la 6. Après, il pourrait se déplacer pour aller sur la 7. Hein, et du coup, il ne resterait plus qu'une map. Ah, bille. Non. Ils ont décidé d'aller là, d'accord. Il y a Rose qui s'est fait assommer. Et Rose continue de se faire assommer. Ah, du Rose. Oula, le blanc qui est apparu, il est violent, hein, il lance des bombes. Rose se refait assommer. Bah, Rose, c'est fini pour toi, je suis désolé. Et. Oh non, c'est chapeau d'anniversaire qui est parti. Oh là là, il a eu droit à la fin d'invulnérabilité, vous m'avez compris. Rose est éliminé, c'est fini pour Rose. Je pense qu'il doit rester qu'une vie à chapeau d'anniversaire. On va l'appeler comme ça, chapeau d'anniversaire. Pendant que Blanc tout court assomme chapeau d'anniversaire. Je suis pas... Oh, touché par la bombe. Il ne reste que Blanc tout court. Ah, chapeau d'anniversaire avait encore une vie. Il a eu le temps d'avoir une vie. Ok. Ah, il est violent ce Blanc là. Oh, il s'est fait toucher par sa propre bombe. La patience de chapeau d'anniversaire aura payé. Il reste 5 secondes avant... La chute de bloc et probablement le changement de map, ils ne sont plus que 4.
Ah, ils sont obligés de changer de map. Hop là. Map numéro 7. Nous avons 4 personnes. Nous avons chapeau d'anniversaire blanc. Blanc avec une monture. D'accord. Et je sais plus comment s'appelle ce personnage. Non, chapeau d'anniversaire, il s'est fait encercler. Adieu, chapeau d'anniversaire. Quel dommage. Quel dommage. Il reste... on peut avoir des montures, sérieusement. Dommage. Ah oui, c'était un bonus. Il avait réellement une monture. D'accord. Ah, je croyais que c'était de la cosmétique, mais non, c'était un bonus. Très bien. Je ne savais pas. Pendant ce temps, chevalier s'est fait éliminer. Il reste plus que deux personnes. Il reste blanc et blanc. C'est bien pour les différencier. Il reste Artin et Artin, je pense. Et j'ai pas le temps de voir comment il s'appelle. Spooky. Spooky qui se fait éliminer par une bombe. Il reste que Arti. Artin. Ils ont pu mettre un M pour s'appeler Martin. Qui gagne. On y retourne. Il faut jouer trois fois bleu. Du coup, on va jouer trois fois bleu. Ah, j'ai une récompense. Vous avez atteint le rang 2 Start Pass. Donc c'est ça, il y a bien un pass gratuit. Vous obtenez un objet. Pique-nique. Ah, c'est un costume, d'accord. Mais ça m'intéresse pas, c'est pas joli. Autant dans certains jeux, la cosmétique, j'aime bien. Comme le skin dans LOL, qui est une arnaque aussi, mais ça paraît sympa, c'est joli. Mais pour ça, je vois pas l'intérêt. Alors c'est bleu qu'on m'a dit de jouer, pas bleu clair, bleu. Donc je me mets en par défaut dessus. C'est quoi le costume classique? Sinon c'est... Ah, qu'est-ce que c'est moche. C'est vraiment moche. Et ça c'est quoi? Gâteau de célébration. Un costume qui symbolise nos remerciements pour les 2 millions de ventes de... Super Bomberman R. La version gratuite. Ah, il y a eu 2 millions. C'est pas énorme. En vrai c'est pas énorme. Dans le monde... Et après, il y a plein de... Okay. On va rester sur classique. Je crois vraiment, les cosmétiques ne m'intéressent pas. Allez, on va relancer une bataille 64. En match rapide. Je cherche en cours. Je regarde s'il est sur Steam en vrai. Match local. Comptez vos amis. Oui, voilà, ça c'est vraiment local, local. Je pense qu'il y a quand même possibilité de jouer avec des amis. À distance. Je suis incapable de vous donner la réponse. Là. Mais si c'est le cas, on prévoira des trucs. Si c'est pas le cas, bon, bah tant pis. Ou alors avec le remote play de Steam, peut-être. On va vérifier. Pour l'instant, là, c'est sur Twitch. Enfin, je joue sur Twitch. Bleu n'a pas beaucoup de vitesse. Hein. Chargement de la partie sur Pronto. Oh. Du coup, ce qui est mis sur Discord, il y a eu un bon point. Un jeu d'aventure. Ouais, intéressant. Ouais, j'y rejette un, mais... Ah, c'est parti, ça commence. Allez. Ah, nous avons que des bombardements normaux. Tant mieux.
l'instant, les bandes jaunes qui durent longtemps. Faire un truc là, sur ça, c'est vraiment ça, ça dure hyper longtemps. 5, 6, 10 secondes, peut-être ça dure 15 secondes. Enfin, qu'ils mettent un autre truc que cet écran jaune. Où suis-je? En haut à gauche. J'ai failli me bloquer. Ah oui, je suis hyper lent. Nul. Mais pas possible ça. Je suis déjà mort. Hein. On enchaîne. On va pas rester sur le spectateur. Vous avez compris le principe. Du coup, on va enchaîner. C'est dommage qu'il n'y ait pas directement un bouton. Repartir directement en bataille, on est obligé de repasser par le menu principal pour repartir en bataille. C'est vraiment dommage ça. Ah déjà, enfin déjà, non c'était long mais déjà quand même. On reste sur le bleu pour la quête qui demande de jouer trois fois avec bleu tout simplement. Ça sera la deuxième partie, il en restera une avec ce personnage. C'est parti. Après le chargement et les bandes jaunes. C'est bien parce qu'ils nous mettent un chargement d'accès à la partie. Ensuite, il faut le chargement pour lancer la partie. Et ensuite, on a vraiment un écran bande bleue en mode attendez, on synchronise tout le monde. Ils auraient pu tout faire, hein, je pense, en une fois. Parce que ça fait limite 3 chargements pour lancer la partie, c'est quand même un peu long. Après le jeu vient de sortir, vraiment il a une semaine, il y a vraiment moyen qu'il fasse des patchs. Et vu qu'il y a des histoires de Season Pass, c'est pas un jeu qui vont tenir que 2 mois, non, ils vont tenir quelques temps, je pense 2 ans, 3 ans peut-être. C'est vraiment... ouais, la Season Pass. Allez, on y croit. Ok, je suis en bas à gauche sur la map 9. Ça veut dire qu'il va falloir se déplacer après. Il a une disco lui, elle est super classe. Ben pourquoi non, c'est de la cosmétique en fait. Pourquoi je demande moi. C'est de la cosmétique. Hop là. Hop hop hop. Je nous ai bloqué. C'est pas grave, il a perdu une vie aussi. C'est pas passé loin.
Tu m'as abrité, hein. Excusez-moi. Je crois que Noir a été éliminé. Non! Mais je suis là. Voilà, c'est tout ce que j'en pense en fait. Elle aurait été faite rapidement ma quête de jouer avec bleu. Deux fois bleu, deux fois pas bon. Jamais 203 comme on dit. Au pire, je reprends rose après, j'étais meilleur avec rose. Rose. On va voir. Attends, pardon, excusez-moi, j'ai une absence, mais bon, la partie s'est pas lancée de toute façon. La partie va se lancer. J'apprenne toutes les techniques de Bomberman quand même, parce que je sais qu'il y a certaines façons de réfléchir sur le jeu, certaines stratégies et certaines techniques assez précises. Là aujourd'hui c'est vraiment découvert de ce truc là, mais il y a moyen d'être bon sur Bomberman, il y a moyen de faire des choses. Je vais essayer de me faire carrer par des tutos sur internet. Je vais appeler Internet pour qu'il me donne tous les tutos pour carré sur Bomberman. Les bons jaunes. Allez, on est encore ensemble pour, je pense, 20-30 minutes, je dirais encore. Quelque chose comme ça, je pense. Allez, on part, c'est bon. Je suis en bas à gauche et on est sur la map 5. Il faudra bouger du coup dès le départ. Si j'arrive à survivre d'ici là, ça c'est une autre affaire. On peut jouer avec les deux. Ah, on peut jouer avec les deux aussi. Ah, ça a l'air plus pratique en fait. Putain, c'est un jeu pour moi, c'est croix directionnel en fait. Eh mon dieu! Apprends à réfléchir, sérieux. Tiens, vengeance. Attends, mais... Voilà, vengeance. Il a pas commencé à jouer le lapin ? Non, mais qu'est-ce que j'ai fait?
personne ne vienne. Que personne ne vienne. Nickel. J'en profite qu'il soit déco. Désolé pour lui. Voilà, zone contrôlée. Ouh. Allez, on va se faire plaisir maintenant. On va récupérer plein de bonus. J'ai 30 secondes pour me faire plaisir. Ce sont les soldes. Soldes sur la map. Non, mais qu'est-ce que... J'ai perdu. J'ai perdu parce que je me tue moi-même. Sérieusement. Bon, ça va, le jeu a été gentil avec moi. Mais... Maladroit au possible, ce joueur. Hein. Faut se bouger. Faut bouger. Très bien. Oh! Voilà. Non! J'ai perdu. Peut-être pas. Je m'en vais, il m'embête. Il m'embête encore plus. Peur. Il peut se TP en plus. J'ai perdu. Ah non, top 32. Attends, je suis dans les derniers 32. Je sais pas, j'ai pas compris le truc. Mais j'ai fini là. Bon, on va regarder la bataille en fait. Regardez la bataille. Ils sont plus que 16. Et il est violent le marron là. Ah, il a gagné un lapin. Il a perdu un lapin. Bon, d'accord. Ou alors, ça veut dire qu'il aime pas le lapin. Par contre, faut que j'apprenne à comment avoir le bonus pour attraper les bombes. J'ai pas compris, ça. Ça, j'ai vraiment pas compris. Oh, dommage, blanc. Vraiment dommage. Pourquoi il a un temps de chargement, le marron? Il a un petit temps de chargement au-dessus de sa tête, j'ai pas compris. Bizarre quand même. Ok, je suis débloqué. Il va rester plus que la map 6 sur laquelle l'écran est posé et la map 7. Mais ils sont plus que 10. Est-ce qu'il peut être plus de 4 sur une map? C'est une question ça. Voilà, comment il a lancé la bombe de l'autre côté de l'écran. Ah, y en a, il joue à côté, j'ai l'impression de pas savoir jouer. Quoi. Le blanc, il est très stratège. Hein. Mais il temporise, il en profite, il ramasse les bonus. Ils sont plus que 7. Pendant ce temps, le marron... Ah ben, le blanc, il est parti, ça y est. Adieu, le blanc. Le marron est toujours là, celui qui m'a fait mal. Ah, retour du blanc à cause de la vie. Ah, marron éliminé. Marron éliminé, bien fait. J'allais pas me tuer. Blanc est là. Attention. Allez. 5 secondes. 5 secondes. 2, 1. Il va falloir bouger à la zone 7. Ils ne sont plus que 4. Il y a blanc, un lapin, le chevalier et Solid Snake.
Ah oui, il peut lancer des bombes contre. Mais c'est super cheaté. C'est vraiment super cheaté. Waouh. Enfin, cheaté, non, non, c'est pas cheaté. C'est des compétences. C'est pété, on va dire. C'est plutôt pété, voilà. Oh, la vague. Oh, dommage. Plus 3. Blanc est parti. Ah, c'est fini pour blanc. Il reste Solid Snake, un chevalier qui lance des bombes bizarrement. Mais qui se fait plaisir. Attention, chevalier. Et lapin. Lapin, je comprends. Lapin, il est dans son coin. Il va gagner parce que lapin, il temporise. Et ah non. Adieu, lapin, tu t'es fait avoir. C'est dommage. C'est dommage, lapin. Ils sont plus que deux. Plus que deux et Solid Snake vient de perdre une vie quand même. Il reste chevalier, Solid Snake. C'est dommage qu'on puisse pas voir le nombre de vies qu'il leur reste. Ou alors si on le voit, je l'ai pas trouvé. Mais... Aïe aïe aïe. Chevalier qui a perdu une vie. Allez, s'il reste 2 minutes seulement et la map se rétrécit. Adieu chevalier, victoire de Solid Snake. Allez, on y retourne. J'ai fait mes quêtes. On va changer de personnage par contre. Je vais pas rester avec bleu. On va voir. On va voir dans les autres persos des choses à tenter. On verra bien. Ça peut être sympa. Ça peut vraiment être sympa. Là, de toute façon, on a un temps de recherche interminable, un temps de chargement interminable. Pourtant, il y a beaucoup de joueurs hein, dessus. Hein. Alors non, on va prendre... On va tenter Silent Hill, Pyramid Head. Il peut pas. Il est pas très rapide, mais il n'y a pas une grande puissance de feu ni beaucoup de bombes, mais je crois que il peut attaquer à l'épée. Je crois. À vérifier. Allez, c'est parti. Pyramid Head. Sweet Snake, rose et rouge. Ok. En bas à droite et nous sommes sur la map numéro 2. J'ai fait quelque chose mais je sais pas quoi. J'ai bien un pouvoir donc. D'accord, le temps de chargement c'est le temps de rechargement du pouvoir. Et je sais pas comment je l'ai activé. J'ai un peu appuyé sur tous les boutons, je vous l'avoue. Juste... Bon, je... J'ai
pas compris comment lancer le pouvoir. Non, j'ai vraiment pas compris. Non, on se retrouve trop là. On est trop. On peut rien, on est bloqué. Voilà, bon, quelqu'un a dit ça. J'ai perdu, oh, sérieux, oh là là. Voilà. Ils sont éliminés entre eux ou... Mais il m'embête lui là. Poser qu'une bombe. J'arrête de prendre des bonus bombes, ça ne me sert pas. J'ai le droit qu'à une seule et unique bombe. Ah d'accord, ok. Je vais mettre par là. Très bien. Voilà. Mais c'est des bombes empoisonnées et tout. Wow, faut vraiment je me renseigne sur toutes les capacités. Hein. Yes. Je vais gagner sur la chance. Lol. Enfin, gagner non, il reste 23 mais. Ah ouais, c'est le secours quoi. J'ai perdu. Ah non. Ah, je pouvais faire ça. Ok. Déplacement, je suis collé en bas. Il y a une étoile en bas là. Dire quoi? Pourquoi il y a une étoile ici? Bon, au moins j'ai pas celui qui m'embêtait tout à l'heure. Oh oh, danger. Non, non, j'ai fait une grosse bêtise. Top 16! Oh, j'ai fait mieux que tout à l'heure. Je suis 12e sur 64. Cool. Dans le top 16 en gros. J'ai gagné l'XP. Niveau 3. Et rang 3. Génial. On va regarder la fin. Ils ont plus que 9. Bon, j'ai pas compris l'histoire des pouvoirs et des capacités, mais y a moyen de faire quelque chose. Ils sont plus que 7. Voilà, il se fait. Il y a le blanc, le personnage blanc de lapin se fait avoir par le noir qui lui lance les bombes de l'autre côté. Ah, c'est un ping-pong de bombes. Il lance les bombes comme ça, d'accord. Et noir, il est. Noir, c'est un matheux. Il calcule tout. Ah mince, dommage. Il s'est fait avoir. Heureusement, ils avaient encore des vies. Oula. Ah, il a clean toute la ligne. Hein. Il a une puissance de feu le... énorme. Ils peuvent le faire.
il va falloir aller à la dernière map. Ils vont être 6 sur la map. Ouais, donc on va être plus de 4 sur une map. Quoi. On a la réponse de la question tout à l'heure. Et là, ils sont 6. Ok. Oula. C'était ambitieux de la part du blanc. Il a failli avoir le noir, mais ça s'est joué à rien. Pendant ce temps, jaune, vert et rouge, c'est un plaisir. 5. 5 derniers joueurs. On va voir qu'il est utilisé apparemment. C'est le retour des bombes qui bougent tout seul. Ou jaune, attention jaune, attention, plus 4. Plus que 4. Ah, attention, jaune, ça va, t'as pu t'en sortir. Assomme-moi. Enfin, comment on dit, assommation. Bon, il s'est fait assommer quoi. Jaune s'est fait assommer, il est de nouveau. C'est bien reparti. Attention, le map qui va se réduire. Ah non, pas encore. Ah si, ça y est. Plus que 3. Le noir qui était très bon, c'était quand même à voir. Rouge, il s'est mis en stand-by là, c'est bon, il rebouge. C'est tendu, ça va se jouer sur les pics, sur les blocs pics. Rouge, tu vas te faire avoir en tenaille là. Aïe aïe aïe. Ça se rétrécit encore. Attention, la bombe qui revient, c'est bon. Il ne reste plus que ça sur la map. Il n'y a rien d'autre. Ouh, vert, ambitieux vert. Vert qui a éliminé le rouge. Il ne reste plus que le jaune sur la dernière minute du jeu. Ça pose quand même des bombes, ça tente. Et là, le seul moyen, c'est de la prise en tenaille. Ou contre un mur, mais c'est la dernière chose à faire, ça clairement. Oula, le... Oh! Ils sont fait avoir tous les deux, qu'est-ce qui se passe? Qui a gagné? C'est vert. Vert a gagné. C'était très culotté, et ça a fonctionné, bravo. Bravo à vert. Il est bien sympa ce jeu. Vous avez atteint le rang 3, j'ai gagné un titre. Eh ben j'en suis ravi. Allez, on y retourne pour une dernière bataille. Alors si elle est très courte, il y en aura encore une autre après. Si la bataille dure d'un temps moyen ou normal, jusqu'à la fin, espérons, ce sera la dernière. Le temps que la recherche se fasse. N'hésitez pas à suivre la chaîne AMX. Mix, on est sur la fin là, on est sûrement sur la dernière ou les deux dernières parties de Bomberman 64. J'ai cru voir Bomberman. Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est le Super Bomberman R Online, donc le free to play. Avec le fameux Season Pass qui sert pas à grand chose. Mais là, on est sur la fin, on est vraiment sur la dernière ou les deux dernières parties. Oui. Ouais, oui. Depuis 18h, un peu plus, on est sur Bomberman. Avant, il y a eu Pac-Man, avant, il y a eu Tetris. Je le connais pas du tout. Bah il est sorti là maintenant, enfin il est sorti la semaine dernière là. Donc j'étais très curieux dessus. C'est une découverte totale. Non par contre je change de personnage, je prends Roy. Vraiment une découverte. Je ne connais vraiment que Bomberman. Bah c'est ça, en fait c'est exactement ça. C'est Bomberman 64, mais hors Stadia. C'est Bomberman 64 version, enfin sur tous les autres supports en fait. Mais ça porte pas le même nom. Mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est du Bomberman 64. Du coup, je disais quoi? Oui, bah, on est sur la dernière ou les deux dernières parties de ce stream. Après, je couperai. Et je vous retrouverai demain 14h sur du New Pokémon Snap. Mais d'ici là, pensez à follow la chaîne pour savoir quand on stream. À rejoindre Discord pour papoter, etc. Je serai très probablement en vocal sur Discord ce soir. Et surtout, soutenez le crowdfunding de l'association qui est en cours. Parce qu'il va Sound Studio, c'est une asso avant tout. Et du coup, jusqu'à tout le mois là, on est sur un crowdfunding, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, surtout, et à participer si vous pouvez, bien entendu. Full Arena, Bomberman 64, avec une bonne histoire, en anglais, je comprends la reine à l'époque.
Ah non, je confonds. Alors, Bomberman 64 de la Nintendo 64, oui, c'est encore autre chose. Moi là, je te parle de Bomberman 64 joueur, la version qui est super Bomberman 64 qu'il y avait sur la Stadia. Mais oui, en effet, il y a eu Bomberman 64 sur la Nintendo 64, mais ça n'a rien à voir. Et en effet, il y avait une énorme histoire derrière, je suis complètement d'accord avec toi. Non, là, c'est vraiment le Battle Royale Bomberman 64 joueur. C'est la version Stadia, donc Bomberman 64, le Battle Royale, remis sur tous les autres supports. Quoi. Donc là, actuellement, je suis sur la Switch, mais il me semble bien qu'il y ait une version PlayStation, une version Steam. Et juste après le stream, j'irai voir s'il y a la version Steam, parce que j'arrive pas à savoir comment on peut jouer à plusieurs avec des amis sur ce jeu depuis la Switch. Du coup, je pense que sur Steam, ou au pire, via le Remote Play de Steam, on peut faire quelque chose. Donc j'irai me renseigner après le stream. Hop là, le petit bonus de vitesse. Attendez. C'est vicieux de mettre le bon tout comme ça. Bon, je suis rose, hein. Il n'y a pas mon pseudo, mais je suis rose. Je vais afficher les pseudos. On va éviter. Voilà, c'est bien. Arrêtez de me battre. Ça y est, j'ai perdu une vie. J'ai perdu une vie. Excusez-moi, j'aimerais survivre. Je vais tempo en fait. Je vais les laisser se battre et moi je vais tempo. En faisant attention. Voilà, c'est bien. Non, ils ont l'air de faire peur. Mais je vais me mettre là quand même. Donc là, je change de map. Hein. On l'a vu. Parce que on a accès à moins de maps. Je vais rester par là, c'est très bien. Ou pas. Je sais pas, on verra. Je vais taper lapin. Les lapins, depuis tout à l'heure, ils me portent bonheur. Voilà, c'était bon. Qu'est-ce que je disais? Salut. Oula, j'ai été ambitieux. Tac. Je fais n'importe quoi. Ah! C'est le piège. Oh, je me suis piégé moi-même. Oh, le piège de moi-même. Bon, combien? 38 sur 64. Bien. On en fait une dernière quand même. C'est super dur, hein. Ça change du reste de Tetris 99, Pac-Man 99 et même Mario 35. Mais c'est super intéressant, c'est rigolo. Des explosions en ligne, exactement. Switch, free to play, sans Switch. C'est une bonne question ça. Tetris 99, Pac-Man 99, il faut absolument le Switch Online. Je vais supposer qu'il faut le Switch Online pour ça aussi. Mais il est gratuit. Ouais. Mais il y a un Season Pass. Ouais, j'étais caché, mais il m'a eu vraiment au pixel près, je pense. Ou peut-être le suicide, t'as raison. T'as peut-être raison. Sachant que c'est un peu dommage de perdre des vies là, dès le départ, comme ça, parce que. Enfin, faut aller jusqu'au bout, quoi. C'est un battle royale, ça pardonne pas. On verra bien. Bon, on en fait encore une. Faire encore une, j'ai un temps de chargement toujours aussi long. Alors, il y a bien une recherche en cours, et comme je disais tout à l'heure, c'est juste caché derrière la caméra sur le stream. Il y a bien une recherche en cours. Y changer de défi, mais il n'y a pas de défi. Attendez, je fais Y vite fait. Aucun défi à modifier. D'accord. Ah, ça y est, c'est reparti. Je vais rester sur Rose, j'aime bien Rose. Mais j'irai quand même me renseigner par la suite sur les capacités des autres personnages. Parce que je sais pas très bien jouer à ça en fait. Mais on va rester sur Rose. Parce que beaucoup de vitesse, beaucoup de bombes à poser et de la puissance de feu. Et puis Rose. Normalement les free-to-play pour cross-platform n'ont pas de online. C'est le cas pour Fortnite et Rocket League, c'est pour ça que je demande. Fortnite je savais, Rocket League je savais pas tu vois. Mais à se renseigner, mais je pense qu'il y a quand même... Du truc derrière. Bomberman, sa grosse nostalgie. Donc certes, le système d'explosion qu'il y avait dans Bomberman 64 que j'adorais, mais bon. J'ai conscience que ce système est sans doute le plus classique. Le classique. Oui. Après, c'est ce qui fonctionne. Hein. Des parties rapides, rigolotes, rétro, qui prennent pas trop de puissance, pas trop de place sur la console et les trucs, ça fonctionne bien. Hein.
puis dans un sens quand on veut jouer avec des potes, parce qu'il y a du local, mais local, local quoi. À vérifier si on peut faire vraiment du remote play sur Steam et d'autres. Mais il y a du local. Pareil pour Tetris, pareil pour Pac-Man, je sais pas. C'est une bonne question ça. Mario, on pouvait pas. Ou alors on pouvait, mais je me suis pas rendu compte. C'est dommage. Allez, les fameuses bandes jaunes qui durent 30 ans. Je suis bien rose. Et on est sur la map combien, j'ai pas pris la 9. On est sur la map 9. Panique, 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 oh là là, c'est ça, je jouais à un poil d'explosion. Wow, on se calme, Je fais n'importe quoi. On va attendre, hein, non? On joue? Allons-y. Yes. Allez, là, les blocs vont tomber. Il y a les maps extérieures, vraiment aux angles, qui vont disparaître. Et sur les maps restantes, il y a les blocs qui tombent. Voilà. Ouais. Je sais pas si c'est bien fait ça. Oh là, j'ai été ambitieux. Mais Marron est disparu, c'est cool, Marron a disparu. Marron est revenu. J'attends. Voilà. Il est passé où Marron? Il est là. Ah, il s'est rendu invisible. Oh. Ah, le chameau. Il y a un lag sur blanc, je pense. Allez, faut bouger. On va à la 10. On va même aller changer, on va aller sur la 11, tiens. Voilà, il y a du monde. Il y a du monde ici. On va rester là, c'est très bien là. Il y a des gens qui lancent des bombes, c'était pas très bien en fait ce choix. C'était pas pertinent. Non! Bon, je peux revenir, je crois. Voilà, jaune. Ok. De blocs, on est sur la 11, on va rester sur la 11. Oui, on va rester sur la 11, c'est très bien. Oh non, on est 5. Ah, ça va être dur. Le stress est à son comble. J'ai fait une bêtise là. Non, c'est pas grave. Oui. Qu'est-ce qu'il fait blanc? Mais blanc, la puissance de feu qu'il a. Au secours. Ah ça c'est bien ça.
me cache. Non, j'ai fait n'importe quoi. Oh, j'ai perdu. Oh, je suis dans top 8. Et 8ème tout pile. Oh, trop bien. Première fois. Première fois. Je vous lis après. Ouais, imprudent, complètement. On va regarder la fin de la bataille. C'était la dernière partie. Selon ce que tu as trouvé, le site d'information, le online est nécessaire pour le Safe Cloud avec lequel il est compatible mais pas apparemment avec le jeu. D'accord. Ok. Mais il faut... Il y a une... Oh, attendez, mais je vous dis qu'on regarde, mais on voyait même pas la map. J'irai vérifier. S'il est sur Steam, je le prendrai aussi sur Steam pour meilleur. Il est entre guillemets gratuit. Faut voir pour ces histoires de multi avec des contacts, ça peut être bien sympa, je pense. Et au pire, bah, du remote play. Hein. Il y a un pack premium. Ouais, le pack premium des personnages, je l'ai pris. Par contre, le season pass, je le prends pas. Clairement, non, pas question. Je le trouve vraiment pas intéressant. Après, oui, ça coûte rien de tester. De toute façon. Free to play, autant en profiter, bien tester, appréhender le jeu et se faire son propre jugement, ça c'est clair. Allez, ils sont plus que 3, blanc et. Et oui, bon, bah, ils sont plus que 2, il reste un autre blanc et rose, qui n'est pas moi. Qui va gagner, blanc ou rose, faites vos jeux. Le suspense est à son comble. Et ils ont tous les deux une puissance de feu, ils ont tous les deux des bombes qui font mal. Et la map est déjà clean. Ils sont dit, tant qu'à faire, autant clean la map. Mais, oui. Blanc par contre est dans un angle, attention. Oh, la vitesse de Blanc. Blanc a l'air plus rapide. Oula. Ouh, la panique de Blanc. Blanc a eu un petit moment de panique. Il a jeté la bombe. Et là, c'est le moment où il va y avoir les pics, la map va se rétrécir. Oh non. Faute de Blanc. Alors, il avait encore une vie quand même. Il avait encore une vie. Oula, Rose a fait une imprudence. Et la map continue de se rétrécir. Oh! Et oui, il s'est fait... Blanc a fait une erreur, il a été bloqué par les bombes, et du coup il s'est fait manger par la map en elle-même avec le bloc pic qui est tombé dessus. Et du coup, victoire de Rose. De Rose. Il est doué le Blanc, ouais. Allez, je jette un oeil au vestiaire quand même, quitte à avoir débloqué un truc avant de partir. Ouais, c'était une belle partie. Débloquer un cadre de titre. J'en suis oui, j'en suis ravi. C'est du cosmétique, ça, qui m'intéresse pas en fait. Dans d'autres jeux, ça peut m'intéresser, mais là, pour l'instant. Bon, alors, j'ai pris 2 niveaux, 2 rangs. C'est chouette. Il y a de grandes chances qu'on se retrouve sur ce type de jeu la semaine prochaine. Je sais pas, j'aime bien le mercredi tranquillement sur ce type de jeu, c'est rigolo. C'est pas posé en vrai parce que les jeux sont quand même prenants et un peu stressants. Mais il y a de l'investissement et il faut bien apporter un peu de hardcore game, comme on dit, même si c'est pas du tout, je suis pas du tout hardcore gamer. Mais c'était bien sympa, du Tetris 99 aujourd'hui, puis du Pac-Man et maintenant du Bomberman 64. Enfin, 64 joueurs, pardon. Bien sympa. Du coup, je vous retrouve demain, 14h, New Pokémon Snap. Pareil, vendredi. Samedi, à partir de midi, sur du Splasher toute la journée. Et après, le programme de la semaine prochaine n'est pas encore posé, mais il va arriver dans pas si longtemps que ça. N'hésitez pas à soutenir l'association Iva Sound Studio. Il y a la campagne de crowdfunding. Parlez-en autour de vous. On compte vraiment sur vous.
C'est important pour l'association pour qu'elle puisse sortir la tête hors de l'eau et voir de nouveaux horizons, un peu de soleil, quoi, etc. Pour en parler, vraiment, venez papoter sur Discord, rejoignez le Discord. Abonnez-vous sur Twitch si vous avez envie, follow la chaîne évidemment pour avoir les notifications, suivez les différents réseaux pour suivre un peu tout ce qu'on poste, les autres productions notamment. Pour ma part, du coup, je vous retrouve demain en stream, mais sinon, tout à l'heure, je pense ce soir sur Discord en vocal, je passerai sur Discord. Prenez soin de vous, merci pour les gens qui sont passés dans le chat, merci à vous, gros bisous à tout le monde. Bisous à Mix, bisous à Spadin qui était caché. Merci encore pour tout votre soutien, c'est super génial. Et je vous retrouve demain, sinon tout à l'heure sur Discord. Allez, bonne fin de soirée, bonne fin d'après-midi, à très vite. Cordialement, bisous bien sûr.